D'être choisi sur l'équipe canadienne, c'est vraiment un honneur pour moi parce que depuis que j'ai 6 ans, que je rêve de faire partie de l'équipe canadienne, de gagner une médaille d'or aux Olympiques. Et ça l'a pris la maladie, la perte de ma jambe pour arriver à mon rêve. Donc pour moi, chaque jour que je mets les couleurs du Canada, c'est vraiment un privilège. Pour l'entraînement, oui, je me suis toujours entraîné à Montréal. On a toujours commencé depuis plusieurs années qu'on s'entraîne dans les arénas à Montréal. Donc pour moi, la ville de Montréal, c'est comme mon deuxième chez moi, là. À Montréal, on a quelques arénas qui sont adaptés pour le hockey sur luge, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile pour nous. Parce que d'arriver à l'aréna, puis tout est fait en fonction du hockey luge, ça simplifie la tâche non seulement pour être sur la glace, mais pour aller dans les chambres des joueurs quand l'aréna est adaptée pour les fauteuils roulants, les douches sont adaptées pour les fauteuils roulants, les estrades sont adaptées pour les fauteuils roulants. Ça rend la vie de tous les joueurs et les partisans beaucoup plus facilement. Donc, est-ce qu'éventuellement, grâce aux arénas qui sont adaptés, on va être capable d'avoir des compétitions d'envergure internationale un jour? Je l'espère très fort.